Good morning, allez, Daniel, je suis aujourd'hui le Nishmat Klot Shlomo Ben Shalom, Lucien Bat Meina, Léa Chaya Bat Mazal Tov, et Janine Ruth Bat Fortuné Mazal Fritna, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Sota, Berektet Mishnah Yehuda, Yohanan Kohen Gadol, Evir Hodayat Maaser, Af ou Bitel et Ame Orerin, Ve et Anokfin. Adiyamav aya patish ma kebir ushalaim, ou beyamav en adam zerich nishol aladmaï. En rapport avec la Mishnah précédente, qui était une forme de transition, de conclusion en fait, de ma Sechet Sota, avec un dernier petit rappel sur là, à la fois les œufs de la Sota et la Egla Rufa qu'on avait appris, la génisse à Enuke, on avait appris que depuis telle époque, tel Rav, Rabbi Hanan Ben Zakai, on avait arrêté de faire les eaux de la Sota, et à telle époque, de tels rabbanim qui sont décédés, on a dit qu'il n'y avait plus déjà des Ishechkolot. Du coup, on va maintenant, comme on avait dit, jusqu'à la fin de la Maseret, découvrir jusqu'à l'époque de tel Rav, il y a eu tel changement dans l'histoire dans l'histoire juive. Et on va commencer avec Yohanan Kohen Gadol et Evir Hodayat Maaser. Yohanan Kohen Gadol, vous le connaissez? Vous avez déjà entendu parler, c'est qui Yohanan Kohen Gadol? Bimé Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol, c'est lui. Yohanan Kohen Gadol, à son époque, et Evir Odayat Maaser. Il a supprimé le vidouille Maaser. C'est quoi le vidouille Maaser? Il y a une mitzvah de la Torah que lorsqu'on arrive à la troisième année, le cycle de agricole, vous connaissez. Ça dure pendant 7 ans, où il faut donner, d'abord on donne Trouma Gdola, après on donne Maserichon, du Maserichon. Le Lévi va prélever la Trouma de Maaser, il va donner au Kohen de Novo. Après, on doit prélever un deuxième Maaser, selon les années, année 1, 2, 4, 5, il faut prélever une deuxième fois le Maaser. C'est le Maaser Chéni qui faut monter à manger à Yerushalayim. Dans les années 3 et 6, il faut le prélever un deuxième Maaser, le deuxième, c'est à manger aux pauvres, le Maaser Ani. D'accord? 1, 2, 4, 6 et 3, 6. 1, 2, 4, 5 et 3, 6. Tous les 3 ans, à Pessah de la troisième année, à Pessah de la sixième année, il faut dire le vidouï maaser. C'est quoi le vidouï maaser? C'est déclarer que, d'abord, vider de tout ce qui reste, tout ce qu'on a chez nous, tous les restes qu'on n'a pas encore finis, quand on prélevait de la trauma, on pouvait la garder chez soi, on attendait qu'on ait l'occasion de le donner, c'était pas instantané qu'on allait donner. Mais il y a un moment où on disait, allez, tu vides tout ce qui te reste, tu donnes tout, tu distribues tout ce qu'il faut distribuer. Et puis après, tu vas dire le vidouille maaser. Dans le vidouille maaser, tu dois déclarer que tu as fait toutes les mitzvot qu'il fallait, tu as tout donné à toutes les personnes qu'il fallait donner. D'accord? Pour le moment, tout va très bien. Yohanan Kohen Gadol, il a annulé de dire le vidouille maaser. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, depuis l'époque de Ezra, lorsqu'ils sont revenus en Eretz Israël depuis la Babylonie, il y a eu une partie des Lévim qui ne sont pas remontés en Israël. Ezra, il s'est fâché avec eux, parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Il a supprimé le fait qu'on ne donnait plus le maaser aux Lévim, mais qu'on donne tout aux Kohanim, parce que finalement, les Kohanim, c'est aussi des Lévim. Les Kohanim, ils sont venus, les Lévim, ils ne sont pas venus. On va faire un knas, une amende aux Lévim, qu'on ne va plus leur donner le maaser. On va donner aux Kohanim à la place. Bon, vous allez me dire, un Kohen, c'est aussi un Lévi. Mais lorsque Yohanan Kohen Gadol, il a été ensuite celui qui a dirigé l'âme Israël, il a dit qu'il faut arrêter de déclarer le vidouï maaser parce que tu dis quelque chose de faux. Tu dis que tu as donné au Lévi, tu n'as pas donné au Lévi, tu as donné au Kohen à la place. Tu ne peux pas déclarer quelque chose de tellement faux, il ne faut plus, donc tu supprimes tout. Afou Bitel et Amorin, aussi de même aussi, Yohanan Kohen Gadol, il a supprimé les Me'orerin, les réveilleurs. C'est qui les réveilleurs? C'est que les Lévim, en fait, ils chantaient au Beth Amikdash en disant Oura, Lamatishan Hashem, réveille-toi Hashem, pourquoi tu dors encore? Quelque chose, c'est une manière de. C'est déduit d'un. Je pense que c'est déduit d'un Passouk, je suppose. Mais je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'était une phrase qu'ils disaient dans le sens que Hachem, montre-nous ta force, dévoile-toi. Mais le problème, c'est qu'ils disaient quoi? Oura la Matishan, les gens, ils écoutent ça, ils ont tendance à dire quoi? Hachem, il va dormir des fois. C'est en rapport avec le. Dans Nishmat Kolcha, il y en a qui suppriment aussi la phrase. Vachem, Er, lo yanum elishan. Il y en a qui disent non, il ne faut pas dire Er, parce que tu dis oh, Er, ça ressemble à Oura. Ça démarre de là, je crois, l'histoire. Que concrètement, en tout cas, chanter au Beth Amikdash en disant Hachem, réveille-toi, ne reste pas dormir, viens nous sauver, c'est trop violent, les gens y vont. C'est une manière de prier, mais faire attention quand on prie à ne pas s'adresser au roi des rois, comme si on s'adresse à notre copain en disant des phrases un petit peu trop pour vouloir jouer la métaphore et la poésie, on va dire des mots qui ne sont pas exacts et qui sont
un zilzoul violent envers Hachem. D'accord? Donc ça, c'est Bitel et Tamorin. Ve'et anokfin. C'est quoi les nokfin? C'est ceux qui mettaient des coups. Waouh! À qui on met des coups? En fait, c'était tout simplement pour lorsqu'il fallait au Beth Amikdash abattre un animal, il fallait faire la shrita. L'animal, il se débat. Donc pour pouvoir le calmer, il fallait lui cacher les yeux. Une technique super pour cacher les yeux, c'était quoi? Tu lui fais une petite incision entre les yeux, il a du sang qui veut le coller dans les yeux, il voit rien, et t'es tranquille, tu peux l'égorger et puis il se calme. Alors lui, il a annulé de faire cet usage-là, parce que ça fait que les animaux, c'était pas un moum, mais ça ressemblait à un moum. Un moum, c'est un défaut. Vous savez qu'un animal, dans certains endroits, s'il y a une petite incision dans les oreilles, dans la lèvre, ça invalide l'animal. Et là, il a dit, tu veux commencer à lui faire une incision entre les yeux, les gens ils vont commencer à dire que c'est pas grave s'il y a si tu l'as aussi incisé l'oreille ou si tu l'as incisé la lèvre. Donc il n'est pas question, on arrête ça. Adi Amav, Ayapatish Make Birushalayim. Jusqu'à son époque, il y avait le patish, le marteau, qui frappait à Yerushalayim pour fabriquer des ustensiles, même pendant Chol HaMoed, parce que c'était nécessaire pour Chol HaMoed. On avait besoin d'avoir des beaux ustensiles, mais lui disait, mais quoi, pour les besoins de Chol HaMoed, on entend des bruits, des usines d'autour d'Yerushalayim qui frappent là, et qui fabriquent des ustensiles, on a vu ça, c'est pas Kvod Chol HaMoed. Ou Beyamav, en Adam Tzech Lishol et Admai, et à son époque, il n'y avait plus besoin de demander qu'est-ce qu'il fallait faire avec le Dmai. Le Dmai, bon, c'est un trop gros sujet, on ne va pas l'ouvrir tout de suite, sinon on en a pour une demi-heure. Mais il y a une Maseret entière qui s'appelle Maseret Dmai. Concrètement, c'est lorsqu'on achète des fruits d'un Maharetz qu'on ne sait pas ce qu'il a prélevé ou pas. En théorie, il faut reprélever et redonner. Ce qu'il a fait, lui, Yohanan Kohen Gadol, c'est qu'il a dit, tu sais quoi, tu reprélèves une deuxième fois. C'est vrai. Mais tu dois juste donner la Tourmat Maaser, tu la donnes au Kohen uniquement, et le Maaser Sheni, tu le gardes, le Maaser Sheni. Mais tout le reste, tu le gardes pour toi, parce que dans la mesure où le principe général, je vous le donne, ça oui, je peux vous le faire, mais sans entrer trop dans les détails. En théorie, lorsqu'on a des fruits qui n'ont pas été prélevés, il faut tout prélever. Il y a toute une série de prélèvements qu'on a évoqués. Tourma, Maaser Rishon, du Maaser Sheni, on prélève le Tourmat Maaser. Maaser Sheni ou Maaser Ani selon les années. Le Dmaï, c'est quelque chose qu'on achète d'un Maharetz, qu'on ne sait pas ce qu'il prélève comme il faut ou pas. Dans le doute, tu as le bénéfice du doute. Que tu dois prélever peut-être, mais tu peux tout garder pour toi. C'est-à-dire, tu vas avoir un élu qui va te dire, hey, donne-moi le Maaser Rishon. Donne-moi le Maaser Rishon, tu vas dire, va prouver peut-être que les fruits, ils sont pas des fruits qui sont Tevel, et qu'il n'y avait pas besoin de prélever. Dans le doute, vous savez qu'il y a un doute dans les dîners, dans la chôte d'argent, je reste moi le Mourdak. Si je ne sais pas, est-ce que c'est à vous, est-ce que c'est à moi, c'est dans mes mains, je reste propriétaire de ce livre, jusqu'à preuve du contraire. Donc j'ai prélevé maintenant, j'ai acheté des fruits, je ne sais pas ce qu'ils ont prélevé ou pas, je dois reprélever, parce qu'il ne faut pas que ce soit Tevel. Mais malgré tout, je peux tout garder pour moi, presque tout, parce que dès qu'il y a un Lévi qui va me dire, donne-moi, ou même un pauvre qui va me dire, hey, donne-moi le Maaserani, je vais dire, mais qui a dit qu'il fallait que je prélève? J'ai prélevé parce que dans le doute, il fallait que je prélève. Mais ça, c'est sur du point de vue religieux, dans le sens, est-ce que c'est permis ou interdit à la consommation? Alors, je dois reprélever. Mais est-ce que je dois te le donner ou pas? Va voir les lois des dîners mammonot du Choshen Mishpat et va comprendre que si tu n'es pas sûr que je te le dois, c'est moi qui reste possesseur de ça. Ça reste en ma possession pour le moment. Donc, dans l'autre, je ne vais pas te le donner. C'est grâce à Yohanan Kohen Gadol qui a instauré ce système-là. Et du coup, on prélevait que la Tourmat Maaser a donné au Kohen, parce que ça, on n'a pas le droit de la manger en aucun cas, et le Maaser Sheni, qu'il fallait prélever et le garder pour l'amener en Yerushalayim, le manger soi-même. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.